Salut à tous, c'était là, on se retrouve pour une game sur Android Netrunner où je vais jouer Max et je vais jouer contre Jinteki Potatoes, je te roule sur la tête rapidement. Donc avec Max ça va se passer très rapidement et je vais très certainement perdre rapidement. J'ai un Delicast. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre ou pas? Allez, je vais garder cette main, on va essayer. On va essayer de voir ce qui se passe avec cette main. Donc il faut que j'évite de run sur les serveurs pour pas me faire farcir la tête, mais il faut quand même que j'aille break les assets. Très certainement des friends in high place dans tous les sens. Ok. Et ben on va commencer par un run sur le serveur A, voir ce que c'est. Boom à choc. Non, une fatal AI. Accéder, oui, voler. Donc là c'est fait. Tout plein de trucs à la poubelle, dont notamment mon argent. Run R&D. Successful. Datamine. Ok, donc ça va être chiant. Ça va être très chiant parce que je vais être obligé de me prendre les dégâts, j'aurai pas le choix. On va piocher une petite carte et on va gagner un crédit du coup, vu que mon argent s'est retrouvé à la poubelle. Au moins j'ai un Simulfing pour sauver le Levy au cas où. Je suppose que la Datamine va se retrouver devant R&D. Voilà. Donc on va jouer tout ce qu'on a à jouer avant de y aller. Donc à savoir le Simulfing, qu'on veut absolument pas perdre. Et on va faire un petit run R&D. La Datamine, j'imagine. Voilà. Boum. Bah Fire, hein, pas le choix. J'ai perdu un. Oh putain, et le snare quoi, sérieux. Bah oui, on va tracher. Hein. On va retirer le tag et on va piocher. Voilà, hein, c'est un super bon début. Bon, au moins tous mes breakers sont dans la poubelle. Hein. Si j'ai l'argent, je pourrais les installer. Ouais, ça fait mal quand même là. Hein. Je me suis déjà fait meuler 13 cartes quoi. Dans tout ça, j'ai rien joué, on est d'accord. Hein. Non, j'ai rien joué. Et il retire mes parasites. Bah, à la limite, je m'en fous. C'est ce que je préfère que tu me retires. On va piocher un coup, on va repiocher un coup. Oh, Cathy Jones, je vais la jouer et je vais la charger. Ça va être mon économie. J'ai enfin une carte d'économie. Je vais pas lui laisser l'occasion de me la tracher. Ok, bon, c'est parti. Il va protéger son R&D maintenant. Ce qui est bien, c'est que j'ai tout à la corbeille. Et protège ses archives également. Liberated Account, ça va être bien une fois que je vais pouvoir l'installer. On va faire ça, on va faire crédit, crédit, crédit. Certainement prendre l'argent, installer Liberated Account et Liberated Account deux coups, je pense. Quoique, mettre l'argent, reprendre 3 crédits et jouer Liberated plus tard, c'est pas mal aussi. Il a joué un Arc Lockdown, à savoir combien il en a. Ce qu'il a fait, j'ai pas vu Celebrity Gift pour me montrer un peu ce qu'il a dans sa main. Jackson, Deanna, Deanna, Eiki et House of Knife. Alors Eiki, j'oublie toujours, toujours, toujours ce que c'est une Cutgate, très bien. Donc il a un projet dans sa main. Et il va devoir tracher un truc. Peut-être un truc que j'ai pas vu. Hein. Ok, et ben on va refaire pareil, je crois. Attendez, Eiki, elle a combien de force? Elle a 3. Hein. Donc Yogg, ça serait pas mal. Je vais peut-être pas tracher mon Yogg. Mon paperclip, j'en ai que deux, donc peut-être qu'en garder un, c'est une bonne idée. Scrubber va clairement me servir. Ok, donc je vais installer Scrubber, je vais mettre un peu d'argent et je vais prendre de l'argent. Je pense qu'au prochain tour, je vais vider Katie et je vais installer mon Liberated. Il va me falloir de l'argent, il va me falloir du médium également. J'en ai un dans les archives. J'ai un parasite également dans les archives, je crois. Non, non, Data Sucker. Là, il a beaucoup d'argent. Il faudrait que j'arrive à stacker un Data Sucker. Ok, donc il va commencer à protéger son R&D. Normal, jusque-là, tout va bien. Il a retiré le Jackson et il va reprendre le Snare. Le Arc Lockdown, ouais, ça c'est pas une bonne nouvelle. Ça c'est clairement pas une bonne nouvelle. Il va falloir installer ses breakers depuis la défausse là. Sinon ça va faire mal. Et une carte face cachée, ok.
Début de mon tour, j'ai le breaker de barrière. Bah, il a pas de barrière, donc ça va pas me servir. Mais non, je vais jouer grid, je vais faire ça. Et honnêtement, les barrières, il en a pas, donc ça va pas servir. Et s'il a des barrières, c'est des toutes petites barrières, donc c'est pas la peine de l'avoir. Prochain tour, on va pouvoir jouer Liberated. Il va nous falloir pas mal d'argent hein, pour réussir à installer IA Break avec tous nos breakers, parce qu'il coûte assez cher hein, nos breakers, notamment contre Diana Tracker. J'ai le spoon dans la défausse. J'ai spoon. Je pourrais le récupérer avec Déjà Vu. Je pourrais le jouer avec Samolfing également, mais bah, Lévi quoi. Ok, qu'est-ce que tu nous installes ici? Des petites saloperies. Ok, une autre Katie dans les archives. Très certainement le House of Knife. On va prendre tous les crédits et on va aller voir. On va faire un run sur le serveur 3. Peut-être un Iki, je sais pas. C'est pas une glace qui veut raise, c'est un choc, salopard. Je vais le trasher. Choc qui m'a mis Déjà Vu et Grimoire à la poubelle. Et ben on va installer le Liberated et on va cliquer un coup le Liberated. C'est vraiment un match-up. Alors déjà que j'arrive pas à jouer. Enfin, j'arrive pas à jouer contre cette identité. Et en plus ce match-up, bah Max, elle se mille tout seul, quoi, comme une grande en fait. Ok. Fetalaï, j'imagine. Fetalaï, j'imagine. Fetalaï, j'imagine. Est-ce que ça peut être quelque chose d'autre? Je pense pas. On va Samolfing le Datasucker et le Medium. On va installer les deux et on va reprendre de l'argent. On va te laisser scorer ce projet. Vas-y, fais-toi plaisir. Une Fetalaï, ça me suffit. C'est peut-être un GFI également. Hein. Peut-être un piège aussi. C'est peut-être genre j'ai un House of Knife. En tout cas, si c'est cette saloperie, tu peux le garder. Ça me va très bien. Je veux pas aller chercher la Fetalaï. J'ai pris suffisamment de dégâts comme ça déjà. Ok, donc j'ai toujours pas mon deuxième Samolfing qui est tombé et ni mon Lévi. Si jamais le Lévi se retrouve dans la défausse, je pense que je Samolfing direct en fait. J'ai pas envie qu'il me le Arc Lockdown. Je pourrais également le Déjà Vu. Bah non, Déjà Vu, il était parti à la poubelle, donc non, en fait, non. Ok, Arc Lockdown, qu'est-ce qui va me retirer? Paperclip, non. MK Ultra, donc j'ai plus mon breaker de Sentry. Effectivement, j'ai les deux qui sont retrouvés à la poubelle. Et ben ça, c'est problématique parce que je vais devoir me manger tous les Sentry. Ouais, c'est pas une bonne idée. Il y a déjà deux parasites qui sont partis, je crois qu'il en reste que un. Oui, il en reste que un. Il renvoie un Hedgehorn à Orc et une carte cachée. Très bien, donc c'est à moi de jouer. J'ai le deuxième. J'ai le petit deuxième qui va bien. Le spoon, j'aimerais bien qu'il revienne dans ma main là en fait. Ok, bon, on va continuer à setup un peu notre argent, notre économie, vu qu'on va avoir besoin d'économie. J'espère juste que Lévi. Ah putain, oui, non, Lévi est à la poubelle en fait. J'aurais dû le Lévi. J'aurais dû Lévi. Je pense qu'il va chercher son Lord Lockdown pour me Lévi. Pour me choper le Lévi, je veux dire, pardon. J'ai eu peur, c'était juste un hedge fund. Ok, donc là maintenant c'est le tour, il va falloir que j'utilise mon Lévi. Le scrubber. J'aimerais bien qu'il me laisse installer mes programmes en fait. J'aimerais bien qu'il me laisse installer mes programmes. On va faire un petit run R&D, on va voir ce qu'il reste. Diana Tracker et qui Code Gate. Oui, j'installe mon Black Orchestra. J'ai pas envie que tu me le snipe. Un autre pop-up. Ok, ben ça me va. Continue. Successful. Après un petit Vaction. Ok. Est-ce que j'y retournerai pas un petit coup? Et ensuite je les vis.
Je pense que c'est ce qu'on va faire. Un petit run R&D. Donc je paye les deux crédits, voilà. Hop, hop. Et j'accède à trois cartes. Alors j'accède à Preemptive Action qu'on a déjà vu. Snare, boom. Puis on trash Snare. Hedge Fund, ok. Et on va Samolfing le Levy. Hop là. Je reste avec un tag, mais mais j'évite la casse, on va dire. Ce qui veut dire qu'il va pouvoir me trasher ma Cathy, mon Scrubber. Alors, je sais pas s'il en a quelque chose à faire ou pas. En tout cas, ma Cathy, il devrait la trasher. Il devrait. Est-ce qu'il va le faire? C'est une autre question. Ok, il installe un nouveau truc. Alors, est-ce que c'était un piège? Est-ce que c'était une Fatal AI qui se retrouve à la poubelle? On ne sait pas. Très certainement un House of Knives. Hein. Avec un DNA tracker devant. Ou un Aiki. Ça peut être un Aiki également. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, je dirais Share Gamble Run Server 3. Après, il me resterait deux clics pour retirer le tag et installer Delicast. C'est un DNA tracker, je peux le descendre à 4 et du coup j'ai juste besoin de cliquer deux fois. Ok, on va faire ça, on va faire le run sur le serveur 3. Le DNA tracker, donc je le descends à 4 et je le break. Continue, successful. C'est le House of Knife. On retire le tag et du coup, bon, je peux pas installer le Delicast. Non, pardon, on va pas faire ça. On va plutôt faire ça. Hop là, voilà. C'est plus intelligent. Je lui ai fait perdre pas mal d'argent, l'air de rien, là. Il doit y avoir un autre DNA tracker devant son QG, j'imagine. Sauf que j'ai pas trop envie d'y aller avec tous les snares. Je sais pas s'ils sont là ou dans les archives. Faut que j'en ai traché un des snares, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, là. Ok, donc il est remonté à 10 crédits. J'ai pas mal de stacks de médium. Ok, donc il joue Preemptive Action pour renvoyer des cartes. Le snare, bien entendu. Est-ce que je repasserai pas un peu de temps à me setup? Notamment crédit, crédit, Delicast, Cathy Jones. Ok, changement d'idée. Crédit, crédit. Non, pas changement d'idée en fait. J'ai rien dit. On va plutôt faire ça. On va faire ce qu'on avait dit. On va faire ça. On va se resetup. Reprendre un peu d'économie. Je pense que c'est un DNA tracker devant son QG. Ça m'étonnerait que ce soit un Eki. Ça peut, hein, ça peut être un Eki. Au pire, c'est pas grave, ça me coûte 3. Et une routine qui fire, genre celle qui me fait piocher, je pense. Lui, il remonte pas mal niveau crédit là. Est-ce que j'ai moyen de finir la game sur un gros run R&D? J'ai peur de me manger moult snare. J'ai peur de me manger moult snare. Ok, donc ça c'est un bait. je pense clairement que c'est un bait. On va faire crédit, 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 Samolfing. J'aurais pu charger Cathy. J'aurais pu charger Cathy en fait. Et du coup j'aurais dû tracher un truc. Ou j'aurais pu installer le Samolfing. Ok, donc c'est le House of Knife. Ça va faire un peu mal ça. Ok. Il a retiré mes parasites du jeu. Est-ce que j'en ai un dans les archives? Non, pas encore. J'ai un paperclip. Le parasite qui s'est retrouvé dans les archives. J'ai un Delicast. Je suis capable de tanker deux snares si je garde cette main. On va faire un premier run comme ça pour tâter la bête. On va voir ce qui se passe. Ok. Voter Intimidation. Ok. Imitsubako, donc qui est un breaker de barrière.
qui est Datamine, Nora le MP et Pop-up Window. Donc là, si j'y retourne, je vois deux nouvelles cartes. Ces deux snares, c'est toujours jouable. Quoique. Non, je vais plutôt jouer safe, je pense, là. On va installer Delicast, on va charger Cathy et on va prendre un petit crédit. On va y aller tranquille, on va éviter de se suicider comme un grand. Je ne me rappelle plus ce que j'ai vu en premier. Voteur Intimidation. Donc il peut me trasher ma Cathy. Oh, raté. Il va me trasher ma Cathy, qui est bien chargée pour le coup. Je suis bête, en plus je l'ai vu. je l'ai vu. J'aurais dû vider ma Cathy en fait. Putain, mais quel play de merde. J'aurais tellement dû faire ça en fait. Là, pour un crédit, il m'a vidé ma Cathy où j'ai cliqué 4 fois dessus. 5 si on compte l'installation. Arc Lockdown, qu'est-ce que tu vas me retirer? Ma Cathy? Non, je pense pas. Le parasite peut-être? Le parasite. Voilà, il n'y a plus de parasite. Et pioche en dernière action. Ça c'est bien parce que ça va me permettre de tanker si jamais on se fait savater à l'entrée. Enfin, une fois qu'on est passé R&D. Les petits délicastes qui me permettent de faire ces runs entre guillemets gratos. Ah oui, le House of Knife, ok, qui m'a Samolfing et David, très bien. Bon, là par contre, si je prends deux snares, je suis mort. Nora le MP, Pop-up Window, snare, boum, le premier. Parfait, alors ça c'est parfait. Chrysium Grid. Je pourrais le tracher pour voir plus de cartes. Non. Datamine, encore un choc qu'on va tracher, oui. On va retirer le tag, ça c'est clair, et on va prendre des crédits. J'ai vu combien de cartes là? J'ai vu 3, 6, 7 cartes? Non. Moi j'en ai vu là. 5? Je sais plus. Ok, il purge les virus. Il était temps. Est-ce que j'ai mes deux déjà vus qui sont déjà passés? Non. Bon, du coup, c'est important de savoir combien j'ai vu de cartes. Beaucoup trop. 3, 3, j'en ai vu 7. Ok, donc là, il y en a pioché une. Il en reste encore 6 dans le deck. Il reste 6 cartes dans le deck. Ici, c'est un Deanna Tracker, on est d'accord. C'est clairement un Deanna Tracker ici. On va juste prendre de l'argent. Comment je peux gagner cette game? Comment je peux gagner cette game? Donc là, il y a 6 cartes. Il va en piocher une, ça veut dire qu'il va passer à 5. Il reste 5 cartes que j'ai déjà vues dans R&D. Qui protège? Crédit, crédit. Le Stimac qui va pas du tout me servir pour le coup. Là, ce qu'il faudrait que je fasse revenir, c'est les David, je pense. Mais j'ai que un déjà vu qui reste. Donc je vais peut-être le faire revenir des parasites, histoire d'avoir plus de cartes dans mes mains pour tanker. C'est un dernier tracker, ça c'est obligé. Là-dedans, il y a un choc. Là-dedans, ça sera au dernier moment que j'y irai, je pense. Si je fais un run ici, je prends deux tokens, c'est-à-dire que le prochain j'en vois 3. Il en reste 4 que j'ai pas vu. Il me semble qu'il y avait un Chrysium Grid que je pouvais tracher là-dedans. Ça veut dire qu'au prochain tour, j'en vois 2. J'en verrai 3. Ça veut dire que j'en il en restera 3. C'est pas rentable. Je vais voir les deux premières que j'ai pas vues.
un piocher, ensuite j'en vois 3, donc c'est des 3 que j'ai déjà vu. Donc ce prochain tour qu'il faut que je lance un run, je pense, pour voir des nouvelles cartes. Je joue le petit chat pour l'empêcher de Jackson. Il en reste que un, mais bon. Il y avait un Jackson dans le temps, il doit l'avoir dans sa main d'ailleurs maintenant. Préemptive action. Envoie le snare, s'il te plaît. Pas le snare, le choc. Chier. Non, pas, surtout pas le snare. Voteur. Non, une carte face cachée, peut-être. Je vais m'exploser la tête sur les snares. Clairement, là, c'est les snares qui vont me tuer. Ok, bah ça va être le moment où on va faire un petit run HQ. Voir ce qui se passe. Très certainement un Diana Tracker, je pense. Ça peut être Aiki. Aiki, Aiku, Aiki, je sais plus. Non, ok, il reste pas. Ok, non, il me fait prendre un dégât. C'est un Swordman. Moi, j'ai rien, hein, donc Fire. Donc, je vais reprendre encore un dégât. Et ce salopard, il a réussi à sniper mon déjà vu. C'est pas bon, ça. La pop-up, ok. Donc là, clairement, je peux plus y aller. Ça, c'est mort. On va faire un petit run R&D, du coup, on va payer les deux crédits. Continuer. Je vais mourir sur un snare, hein, c'est clair. Philotique, ben on va le prendre. Est-ce que j'y retourne? Je refais un run ici, je vois 3 cartes et ensuite je vais dans les archives pour finir la game. C'est vrai qu'il avait Jackson en fait. Préemptive. Du coup les cartes se sont remélangées. C'est un peu dur là ce soir, hein, la réflexion là. De crédit, voilà. Crédit pour chaque pop-up. Ok, donc on va avoir 3 cartes. Un House of Knife, très bien. Un Aiki et un The Future Perfect. On va mettre un petit zéro. Ok. Je suis quasiment sûr qu'il y a une Fatal AI là-dedans. Allez, on va y aller, Boulzy. De toute façon, après, sinon, je vais me prendre des Nora le MP, je vais mourir comme un sagouin là. Donc on va y aller Boulzy et on va aller. Il a pas raise. Et ben même pas. Il n'y avait même pas de projet là-dedans. Ok. Ben je pense que je suis mort à un coup de double neural. Voilà. Et le deuxième. Chier. Chier, j'étais à un point de gagner. tirer UL, ça veut dire quoi ça? Aucune idée. Je pensais qu'il y en avait un des Fatal AI dans les archives et finalement, ben, il n'y en avait pas. Effectivement, j'ai peut-être craqué sur la fin, j'aurais peut-être dû plutôt continuer R&D, mais j'avais peur de me manger snare. C'est vrai que les snares, c'était violent. Hein. J'aurais pu attendre qu'il essaie de scorer, mais... Ouais.
J'aurais pu attendre. Est-ce que j'aurais pu attendre? Telle est la question. Il aurait juste foutu des snares dans le serveur. J'aurais été check. Non, bah non, je suis obligé. Il est obligé de double advance pour que j'y aille. Il avait des projets Janbug, donc à la limite, bah, il m'aurait cramé au projet Janbug. Ouais, non, c'était. J'avais plus de cartes dans mon deck là. C'est vraiment pas le bon deck Max contre Jinteki Patatos, là, potentiel Unleash. Si on regarde sa suite, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, donc il avait encore 2 Fatal AI et 3 The Future Perfect. Et c'est chiant quoi! Putain, fait chier! Ouais, Max qui prend vraiment, vraiment, vraiment trop cher contre ce genre de deck. Et malheureusement, il y en a beaucoup hein, parce qu'il faut jouer CI ou faut jouer PU ou c'était quoi l'autre deck encore qui jouait pas mal? HB avec plein d'assets là. Pour pouvoir contester la méta en ce moment. Donc forcément, on en rencontre pas mal et ça fait mal. Putain, j'aurais pu tellement en fait faire des gros runs R&D. Avec un Vamp, je le mettais à 0 crédit et je balançais moult runs R&D pour aller voir toutes les cartes que je voulais. Sachant qu'à 0 crédit, ben, il ne peut pas payer pour les snares. Hein. Snare, c'est 3 crédits, je crois. J'aurais tellement dû. Enfin, avec un Vamp, ça passait quoi. Là, il en a rien à foutre que je break les. Que je trash ses glaces ou quoi, d'ailleurs ce que j'ai pas fait, hein, ça passait quand même à chaque fois. Ouais, je pense que le match-up était compliqué. Bon, je m'en suis pas trop mal tiré, l'air de rien. 6 agendas, mais sur la fin j'ai craqué. J'ai clairement craqué. Est-ce que j'aurais pas pu le laisser? Enfin, avec les Nora l'EMP, c'était chaud quand même. Avec les Nora l'EMP, c'était super chaud. Ouais, le problème c'est que mes HP c'est mon deck, c'est ma main. Et avec Max, disons que sa main se vide très 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 rapidement, quoi. Donc du coup c'est un peu compliqué de jouer contre ce deck. Ouais, pas assez de cartes dans le deck, on va dire. Ok, bah sur ce, je vais vous laisser avec cette game. Et je vous dis à la semaine prochaine. À plus, ciao ciao!